Bonjour. Principe d'interaction du chapitre équilibre d'un corps et interaction. Énoncé. Un corps A exerce sur un autre B. On a deux corps, un corps A et un corps B. Le corps A exerce sur un autre B une force FAB. Action, A fait l'action, alors le corps B réagit et exerce en même temps, simultanément, sur le corps A, une force FBA. Les deux forces, FAB et FBA, ont la même direction, la même intensité, FAB, intensité égale à l'intensité de FBA, et de sens opposé, FBA vecteur égale à moins FBA vecteur. Alors, les deux forces FAB et FBA sont deux forces opposées. Lorsqu'un corps A exerce une force sur un corps B. Le corps B réagit par une force sur le corps A et ces deux forces sont deux forces opposées. Vérification expérimentale. Un nageur initialement au repos. Initialement au repos. Exerce une force sur le bord d'une piscine. Alors ici on a le nageur qui exerce une force sur le bord noté par B. Le nageur était au repos, il exerce une force sur le bord de la piscine. Il a exercé alors la force FNB ou bien FHB, l'homme sur le bord, ou bien noté par FNB, c'est-à-dire le nageur sur le bord. On remarque que le nageur sera alors propulsé. Puisque le nageur était au repos et il sera en mouvement, alors il a subi une certaine force. D'où vient cette force? Cette force est exercée par le bord sur le nageur. Alors lorsque le nageur exerce une force sur le bord B, B a réagi par une force FB. H ou bien FBN. On a deux corps mis en jeu. Le corps N exerce une force sur B. B réagit par une force sur N. Il y a une interaction entre le nageur et le bord. D'après l'énoncé du principe d'interaction, les deux forces FNB et FBN sont deux forces opposées, d'où la relation vectorielle entre ces deux forces, FNB égale à moins FBN. Type d'interaction. On a une interaction de contact, et on a une interaction à distance. L'interaction à distance peut être ou bien une attraction ou bien une répulsion. Exemple, sur chaque type d'interaction, pour l'interaction de contact, on prend l'exemple de l'interaction entre une balle et un raquette de tennis. On observe dans la figure
la force exercée par le racket sur la balle. C'est la force exercée par le racket sur la balle. Le joueur sent une force dans le sens opposé, qui est la force exercée par la balle sur la raquette, le racket. Alors, on a deux corps qui s'interagissent. Le racket exerce une force sur la balle. En même instant, la balle réagit par une force opposée. Alors, on représente ces deux forces par deux vecteurs de même longueur, de même direction, mais de sens opposé. Et la relation vectorielle entre ces deux forces, FRB, c'est-à-dire la force exercée par le racket sur le ballon, est opposée égale à moins le vecteur force exercée par la balle sur le racket. Exemple sur l'interaction à distance, c'est l'interaction entre deux aimants à distance. Ces deux aimants se reposent sur deux chariots reliés par un fil. Si on brûle le fil, les deux chariots se mettent en mouvement. L'aimant B exerce sur l'aimant A une force dans ce sens. En même temps, A exerce et repousse le corps B, qui est l'aimant B, dans un sens opposé. Alors, il y a deux forces. C'est la force exercée par B sur A et c'est la force exercée par A sur B. D'après le principe d'interaction, ces deux forces sont deux forces opposées et la relation vectorielle qui relie ces deux forces est FAB égale à moins FBA. Moins FBA, c'est-à-dire deux forces de sens opposé. Dans les deux figures, on remarque que les deux forces ont la même direction. Et dans ce cas, la direction de ces deux forces est suivant la droite qui joint les centres de gravité des deux aimants. Suivant cette droite, ont la même direction, mais de sens opposé, la force exercée par B sur A, FBA est vers la gauche, mais la force exercée par A sur B est vers la droite. De même, dans ce cas, lorsqu'on a une interaction de contact, la force exercée par la balle sur le racket est dans ce sens, vers la gauche. Mais la force exercée par le racket sur la balle est vers la droite. Et puisqu'il y a interaction, ces deux forces ont la même intensité. Merci. Suite dans une autre vidéo.